Vous n'avez pas trouvé la réponse dans notre fac. Afin de confirmer que vous avez effectué une recherche au préalable dans notre fac, veuillez saisir le code de confirmation affiché dans l'image ci-dessous. Là, c'est vraiment one and one, prend les gens pour des cons. Afin de confirmer qu'on a déjà cherché, il faut rentrer un captcha. Ok, un captcha. Donc, il faut rentrer le code de confirmation pour confirmer qu'on est bien un humain et que. Voilà. Et ce captcha, il est composé uniquement des caractères suivants. Le L, le I majuscule, le O et le 0. Donc, c'est le O et le 0 se ressemblent, le I et le L aussi. Donc, et en plus, moi je le sais parce que j'ai déjà fait ça, et en plus je fais de l'informatique. Mais imaginez quelqu'un normal, qu'est-ce qu'il va pouvoir marquer, qu'est-ce qu'il va croire qu'il n'y a que des 1 et des 0 par exemple, ou que des L, c'est impossible de distinguer. Donc, code de confirmation, je vais essayer là, en tapant L, 0, 0, L, II. Contacté. Donc, code de confirmation invalide. C'était pas ça. Donc, pourtant, ça ressemble à II, OO, 0, I. Mais en fait, quand on tape là le 0, le O, il ne ressemble pas à celui qu'il y a sur le graphique. Donc, on peut même pas savoir si la petite différence, est-ce que c'est le 0, est-ce que c'est le O. On n'en sait rien. En plus, c'est une image, on peut pas voir. Enfin, bref. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Ici, il y a un petit truc, c'est encore hypocrisie. Pour des raisons de performance et afin d'assurer un délai de traitement optimal des demandes, nous vous prions d'effectuer une recherche approfondie en fac avant d'utiliser ce formulaire de contact. Il est là en supplément de la fac dans le cas où la réponse ne se trouve pas dans cette dernière. Donc en fait, ils ne veulent pas du tout avoir affaire avec le client. À part pour, bien sûr, pour les sous. Et encore, c'est par carte bleue. Donc là, je vais essayer de rentrer encore. I00 O. Après, il y a le O, on ne sait pas si c'est le O majuscule ou O minuscule aussi. O1, contacté. Non, c'est pas ça encore, mais là, c'est impossible. Comment. I. En plus, il change à chaque fois, hein, bien sûr. Donc. En plus, le L, il y a le I majuscule. J'ai l'impression qu'il y a un petit L et un 1. C'est la folie, quoi. Donc je ne peux pas, code de confirmation est valide, encore. Et pourtant ça fait très longtemps que je fais l'informatique. C'est très très longtemps. Donc O, I, non peut-être c'est, voilà, 0, I, O, 0, 0, I, voilà. Non, toujours pas bon. Putain, c'est incroyable quoi. Voilà, donc là ça pousse les nerfs à bout quoi. Pour ces enculés qui au final te sont. Qu'est-ce qu'il y a après cet écran? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Un formulaire email, envoyer votre email, ils vont pas répondre. C'est ça le plus fou quoi. Ils ne répondent pas. C'est dingue. Voilà, one and one. Ok, alors je vais vous montrer one and one. N'achetez jamais one and one. Jamais. Faites pas la même erreur que moi. Voilà. Et puis, enfin, j'aimerais bien y arriver, mais. Zéro, un, L, un. Peut-être. Non, pas bon. Voilà, donc, one-on-one, ils doivent bien rigoler, ils doivent pas avoir beaucoup de. Ils doivent pas être dérangés beaucoup par les clients. Grâce à ce captcha. Les gens pour des cons, mettre que des 0, des 1, des I majuscules, L. Voilà. Non, ben j'y arriverai pas, désolé. Bravo, One One, très malin.